nous allons faire un montage, une manipulation d'un autre genre, et voici la finalité. Voilà, nous aurons à obtenir un paysage avec, disons, de la neige partout. On voit enfin au fond, bien sûr, la finalité, c'est-à-dire les différentes montagnes et pentes. Et voilà. C'est ça ce dont je vous propose de réaliser. Ce ne sera pas très long, vous allez voir. Donc, à partir de là, nous allons ouvrir et charger bien sûr la première image. Voilà, ça n'apporte pas une belle vallée de montagne là. Donc tout de suite nous allons images, réglages et désaturation. Voilà. Ensuite, sur la palette des calques, nous allons libérer voilà ce calque-là et nous allons directement travailler sur cette partie. Dans le bord de la fenêtre des calques ici, vous avez une petite icône là et qui est à moitié fermée. Voilà. Donc hop, on clique dessus et on va chercher la fonction courbe. Voilà, donc là à partir de cet endroit, nous allons bien sûr voyez, blanchir un peu ces parties là. Voilà, je vais descendre ici un petit peu pour faire apparaître un peu le fond. Vous voyez, tel que ça se présente ici. Voilà, on va rectifier un petit peu ici pour voilà. On va mettre un 4 ici. Voilà, et ici 82. Ici, c'est peut-être pas suffisamment, on va mettre 8. Voilà, c'est mieux. Et essayez de faire apparaître, si vous voulez, la partie arrière de cette magnifique. Voilà. De toute façon, on va faire apparaître la neige quand même ici. Et jouer un peu sur les réglages. Nous avons 149 ici, 231 à la sortie. Là, on voit bien les particularités. On voit bien ici aussi les différentes toitures avec qui comportent de la neige. Donc, ça me semble très bien. Vous voyez que c'est très, très simple à faire et ça ne demande pas beaucoup de temps à faire ce genre de choses. Donc, maintenant, je vais faire comme à l'accoutumée. Je vais passer ici l'adresse de mon site. Voilà, que je vais disposer ici. Vous pourrez compulser. Eh bien, vous voyez, c'est très simple. On va arrêter ici. Cette petite manipulation qui n'est pas longue et facile à faire, vous pouvez utiliser ça pour d'autres, pour ceux qui vont à la neige, etc. C'est donc d'un accès extrêmement facile. Bon, vous pouvez créer, comment dirais-je, si cela vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne. Et lorsqu'il y aura un autre tuto, vous en serez directement informé. Voilà. Comment dirais-je, l'abonnement à la chaîne est gratuit, bien entendu, ça ne vous coûte rien. Donc vous pouvez y aller. Voilà, je vous dis au revoir, bonne réalisation, et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.